Bonjour à tous et à toutes, vous suivez le Flash Info sur King of TV. L'ancien président du Bénin, Boni Yayi, devient le chef de file d'opposition du parti Les Démocrates. À l'issue du congrès organisé les 14 et 15 octobre 2023 à Paris, les instances dirigeantes de la formation politique ont été renouvelées. Il est à retenir que Eric Ondété, précédemment président, hérite du poste de vice-président. Quant à Nourenou Achadé, il assure les fonctions de deuxième vice-président. Au profit de l'organisation réussie de l'Assemblée générale de l'AIMF, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo, exprime sa reconnaissance à l'endroit du gouvernement et de ses acteurs. Du 11 au 14 octobre 2023, Cotonou a abrité la 43e Assemblée générale de l'Assemblée internationale des maires francophones AIMF. À l'issue des travaux, le maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo, a témoigné sa reconnaissance à l'endroit du gouvernement et à son chef, le président Patrice Talon. Il n'a pas également oublié d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit des acteurs pour la réussite des travaux. En partenariat avec l'Union européenne, Enabel dote en équipement des SAEI appuyés par le projet DigiBoost. Convaincu que l'amélioration des conditions de travail et des espaces de travail reste un élément clé pour améliorer la qualité des services offerts par les structures d'appui au profit des startups, Enabel, sur le financement de l'Union européenne UE, a remis des équipements et mobiliers de bureaux au profit des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant SAEI. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 14 octobre 2023 à Cotonou. Pour l'Ordre national du Bénin, la 6e mandature de la RAC est honorée. Les membres de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC ont été élevés à divers grades. La cérémonie de décoration de Rémy Prosper Moretti, SPR, a été présidée par la première vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabitala Tazibé, grande chancelière de l'Ordre national du Bénin, ONB. C'était le vendredi 13 octobre 2023 à Cotonou. Pour le lancement de la note de conjoncture des finances locales du premier semestre 2023, 11,66 milliards de francs CFA d'épargne a été réalisé par les communes. Les communes du Bénin ont réalisé une épargne nette de 11,66 milliards de francs CFA au premier semestre 2023. L'annonce a été faite à l'occasion du lancement de la note de conjoncture des finances locales du premier semestre 2023. Ceci a eu lieu dans la journée du vendredi 13 octobre 2023 à Cotonou. Dans le cadre des travaux de correction de l'affaissement de la chaussée à hauteur du port de Djounou, Ouédénou, le trafic dans les deux sens Cotonou-Abomey-Calavi-Cotonou sera concentré alternativement sur une seule chaussée ce lundi 16 octobre 2023 à partir de 21h. L'annonce a été faite par un communiqué de la police républicaine. En sport, pour l'amicale Bénin Sierra Leone, les Leone Stars accrochent les guépards de 1 à 1. Contrairement au 15 juin 2023, lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires pour la CAN Cameroun 2021 disputée en 2022, où le Bénin s'était incliné sur une marqueur de 1-0 face à la Sierra Leone, c'est sur un score nul que la retrouvaille entre les deux adversaires a pris fin le week-end écroulé. Voilà donc présenté pour vous le point de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à très vite.